Gloire à Dieu, tendre Père céleste, c'est une très grande grâce que tu nous accordes d'être encore en vie en ce jour. Père, nous te sommes reconnaissants. Merci pour ce moment, Seigneur, autour de ta parole. Merci de nous conduire dans toute la vérité, d'éloigner toute confusion et que toute la gloire te soit rendue à toi seul au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Nous prenons la parole de Dieu en ce jour dans le livre de Nombres. Nombres chapitre 22, nous lirons du verset 1 jusqu'au verset 6 et ensuite nous lirons le verset 35. Je suis dans l'édition 8 secondes. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Zippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure comme le bœuf broute la verdure des champs. » Balak, fils de Zippor, était alors le roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire « Voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. » Verset 35. L'ange de l'Éternel dit à Balaam, « Va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. » Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Que toute la gloire soit rendue à Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse une fois de plus au nom prévalent de notre merveilleux Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Tout le chapitre de Nombres 22 ainsi que quelques chapitres qui le suivent narre le déroulement d'une histoire très intéressante. Afin de ne pas trop allonger le message dans le temps, nous avons juste survolé cette histoire en quelques versets. Mais je vous exhorte à lire et méditer entièrement tous ces chapitres. Le Nombre, chapitre 22, est très riche en enseignements et il est sans doute connu par certaines personnes qui m'écoutent aujourd'hui. Mais comme toujours, aujourd'hui, nous irons selon la directive que Dieu nous donne. Mais avant de nous attaquer au texte proprement dit, j'aimerais faire brièvement quelques petites considérations importantes, disant premièrement que les versets que nous venons de lire, voire même tout le chapitre 22, ainsi que sa suite, sont la preuve que c'est le spirituel qui guide le physique, comme j'ai l'habitude de l'enseigner. Je voudrais insister à nouveau dans cette édition sur le fait que le monde spirituel existe et il est bien plus réel qu'on ne le pense. Les choses que nous voyons tout autour de nous sont d'abord premièrement spirituelles avant d'être physiques. Voilà pourquoi un croyant qui n'a pas de vie spirituelle est en danger de mort, car il est ignorant de tout ce qui se trame autour de lui. Satan et ses acolytes aiment l'ignorance. Ils ne dorment pas. Ils sont même d'ailleurs très actifs. En ce 2023, bien-aimé, ne néglige pas ta vie de prière. Ne néglige pas ta relation avec Dieu. Ta relation avec Dieu est importante. Elle doit être vraie, authentique et surtout grandissante. Tu dois être équilibré spirituellement également afin de ne pas tomber dans tout genre d'hérésie et d'excès. Deuxièmement, toujours étant dans les considérations, j'aimerais dire qu'en ce 2023, nous devons tous aspirer à la maturité spirituelle. C'est très important et nécessaire. Et cela se fait moyennant l'écoute, la lecture, la méditation et la pratique de la parole de Dieu. Car plus on connaît la vérité qui est Christ, plus on est éclairé. Et Satan a moins l'avantage sur nous. La guerre spirituelle contre les esprits méchants et les démons est une réalité. Car nous sommes dans un monde qui est dirigé par l'adversaire tel que le dit 1 Jean 5 verset 19. C'est Satan qui instrumentalise les personnes autour de nous pour commettre le mal. Même dans la maisonnée, dans l'église. Et il est de la responsabilité de chacun pour sa part de veiller sur son propre comportement afin de ne pas être celui ou celle par qui le diable passe pour introduire le scandale, le drame, la douleur dans le milieu des frères en Christ. En ce 2023, bien-aimé, surveille-toi et décide d'être une bénédiction pour les autres
et non une source d'affliction, une porte d'entrée pour le diable. Car celui qui ne se garde pas, Satan l'utilisera pour nuire, détruire les autres. Souvenons-nous de Luc 22, verset 3, qui dit que Judas faisait partie des 12 disciples, mais Satan est entré en lui. Et nous savons quelle a été la suite. Troisième considération, bien-aimés, j'aimerais que nous intégrons bien que les enfants de Dieu ont toujours été et seront toujours la cible pour les sorciers environnementaux, voire même familiaux, qui d'une manière ou d'une autre, spirituellement comme physiquement, chercheront toujours à détruire. Ça, c'est la base. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 dit que la lumière et les ténèbres ne cohabitent pas ensemble. Bien-aimés, il n'y a pas de rapport ni d'entente possible entre un enfant de Dieu authentique, je le précise bien, authentique, car aujourd'hui nous voyons trop de confusion dans le monde chrétien, et un sorcier. Le motif étant la présence de Dieu en toi. La marque, le parfum de Christ qui émane de ta personne. Les personnes possédées ou qui ont des problèmes spirituels ne supportent pas la présence des vrais enfants de Dieu, encore moins celle des véritables serviteurs de Dieu. Mais elles sont toujours en train de créer des problèmes, des conflits sans raison, physiques apparentes, car c'est spirituellement qu'on en juge. Comme quatrième considération, j'aimerais dire, quand on tient fermement avec Dieu et qu'on marche dans la vérité, difficilement les sorciers ont le dessus sur nous. Ils peuvent parfois nous embêter, mais ça fait partie des épreuves au travers desquelles on est forgé, on grandit spirituellement et dans lesquelles on apprend davantage à s'accrocher à Dieu. Mais sinon, le sorcier ne peut pas détruire celui qui marche en étroite communion avec Dieu, car le Seigneur veille et c'est lui qui nous fait triompher de toutes les tribulations. Il nous donne toujours le moyen d'en sortir, tel que le dit 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Et enfin, cinquièmement, comme dernière considération, j'aimerais exhorter qui m'écoute à analyser spirituellement, c'est-à-dire à la lumière de la parole de Dieu, sa propre vie, et à rechercher l'origine de certains combats subis. Car plusieurs luttes, problèmes, blocages, situations pénibles, voire même certaines maladies et autres que nous endurons quotidiennement, parfois prennent leur origine dans le spirituel. Je parle comme ça du genre d'épreuves qu'humainement on ne comprend pas. Des maladies bizarres, affaiblissements, oppressions, blocages, des éternels recommencements, des célibats chroniques, des non-accomplissements, et tout ça malgré le talent et les capacités et autres. Des situations, comme je le disais tout à l'heure, qui n'ont aucune explication logique parce qu'elles sont spirituelles. Bien-aimés, en ce 2023, sortons de l'ignorance et invoquons sérieusement l'Éternel qui est la lumière telle que le déclare 1 Jean chapitre 1 verset 5. C'est lui qui nous éclaire en toutes choses. Jérémie 33 verset 3 dit « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Ceci étant, retournant désormais au texte, le verset 1 nous dit « Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines. » Donc dans les steppes de Moab, au-delà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. En d'autres termes, nous avons là le peuple de Dieu, des anciens esclaves à peine sortis de la servitude égyptienne, qui étaient comme ça en route pour Canaan, la terre promise. Ils étaient tout sauf une armée de guerriers, de soldats. Ils n'avaient de force que Dieu, parce que Dieu est la force de son peuple et le rocher des délivrances de son oint, tel que le dit le psaume 28, verset 8. Ce peuple était en train de camper paisiblement, ignorant qu'ils étaient observés de très près par le roi de Moab appelé Balak. Le prénom Balak pour notre gouverne signifie celui qui dévaste, qui gaspille. Bien-aimé, je le redis à nouveau, attention au monde spirituel. Les sorciers observent et pillent les faits et gestes des enfants de Dieu. La parole dit dans 1 Pierre 5, verset 8 que Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. L'adversaire, c'est un rôdeur. Bien-aimé, soyons sobres et vigilants. Plus la lumière de Dieu est forte en toi, plus tu seras combattu, persécuté par les sorciers. Israël campait, c'est-à-dire qu'ils avaient installé leurs tentes, les campements et menaient sa vie tranquillement, vaquant sans doute aux différentes activités quotidiennes et normales de la vie. Mais ignoraient qu'ils étaient observés par Balak, roi de Moab. Bien-aimé, j'aimerais te poser la question. Qui t'observe? Qui observe ta vie, celle de tes enfants? Pendant que toi, tu dors spirituellement, sache que Satan et ses agents ne dorment pas. Versets 2 et 3, il est écrit « Balak, fils de Zippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux
Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Bien-aimés, ces versets nous disent en d'autres termes que la présence d'Israël agita fortement Balak pour multiples raisons, dont la première, leur victoire sur le peuple amoréen qui, pour notre gouverne, était constitué de féroces guerriers. Et le nombre, Israël était très nombreux. Ainsi, le roi de Moab, dans son effroi, épouvante et terreur, tint un conseil en présence des anciens de Madian. Verset 4, il dit « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure comme le bœuf broute la verdure des champs. » Bien-aimés, les personnes qui t'environnent t'observent. Je parle comme ça des personnes qui sont autour de nous et regardent tes réalisations, ce que tu réussis à accomplir, ne comprenant pas toujours comment tu fais pour y arriver. Ainsi, chez certains, cela impose un respect ou de l'admiration, mais chez d'autres, c'est le contraire. On observe plutôt de la jalousie, de la haine et encore plus de la peur, comme ce fut le cas ici de Balak, qui ne comprenait pas comment des anciens esclaves, à peine sortis de la servitude d'Égypte, pouvaient vaincre une armée redoutable comme celle des Amoréens, sans compter leur capacité à se multiplier, ce qui les rendait davantage nombreux. Bien-aimés, ce sont là les effets de la présence et de la bénédiction de Dieu. Il y a des réalisations et des accomplissements dans la vie d'un individu qui sont la marque, le signe qu'il évolue avec l'Éternel. Le psaume 60, verset 14 dit « Avec Dieu, nous ferons des prouesses et il piétinera nos oppresseurs. » Vous savez, bien-aimés, quand Dieu marche avec un peuple, ou encore avec une nation, ou même une famille, un individu, cela ne s'ignore pas. Enfant de Dieu, sache que tu as en toi quelque chose de puissant et de fort qui est Christ. Colossiens chapitre 1 verset 27 dit « Christ en toi, l'espérance de la gloire. Tu es la lumière du monde qui ne peut être cachée. » Matthieu 5 verset 14. « Tu es également le sel de la terre. » Matthieu 5 verset 13. « Tu fais partie de la race élue du sacerdoce royal de la nation sainte. » 1 Pierre 2 verset 9. « Tu n'es pas n'importe qui et cela ne peut pas s'ignorer. » Plusieurs regardent parfois la vie des croyants authentiques sans comprendre comment ils font pour réussir, comment ils font pour surmonter certaines épreuves difficiles, comment ils font pour réaliser, accomplir, échapper même parfois à certains pièges qui leur sont tendus et j'en passe. Bien-aimé, je le répète encore, Psaume 28, verset 8 dit « L'Éternel est la force de son peuple, il est le rocher des délivrances de son oint. » Bien-aimé, qui marche avec Dieu, Dieu marche également avec lui. Et c'est lui qui combat à ta place et toi tu gardes le silence, Exode 14, 14. Dieu est la capacité de son peuple. Il ne sommeille ni ne dort, Psaume 121, verset 4. Il change le mal médité en bien, Genèse 50, verset 20. Il renverse même les desseins des nations, anéantit les projets des peuples, Psaume 33, verset 10. Il nullifie toute arme forgée contre nous, Esaïe 54, verset 17. Bien-aimé, en ce 2023, protège ta relation avec Dieu. Protège ta vie spirituelle et reste en communion avec Dieu. C'est lui notre seule et véritable protection contre toutes les personnes malveillantes qui s'attaquent et s'opposent à nos progrès et avancées, qui sont même prêtes à recourir au Balaam ou encore au devin, au sorcier, au marabout, mettez le mot que vous voulez, pour nous détruire. La vérité est la suivante. Lorsqu'une personne sait qu'elle ne peut pas t'atteindre, te battre, te détruire physiquement, elle passe par le spirituel. Dans sa frayeur, Balak, le roi de Moab, comprit qu'il avait affaire à un peuple hors du commun. Les versets 5 et 6 nous disent qu'il envoya des messagers auprès de Balaam et lui dire « Voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. » Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit. En d'autres termes, le roi de Moab décida de renverser, de détruire, de vaincre ce peuple qu'il reconnaissait être physiquement plus puissant que lui, mais moyennant une arme pas comme les autres. Une arme bien connue et utilisée par les sorciers bien-aimés, il s'agit de la malédiction. Nous l'avions décrite la fois dernière comme étant une imprécation ou encore mauvaise parole adressée à autrui dans le but de lui faire du mal. Et lisant l'entièreté du chapitre ainsi que les chapitres successifs, nous remarquons que la malédiction en tant qu'action spirituelle posée par Balaam était accompagnée de rites, d'autels, de sacrifices d'animaux et autres. Bien-aimés, attention
attention au monde spirituel. Il y a encore de nos jours des balaks, représentés ici parfois par des proches, c'est-à-dire des personnes insoupçonnées parmi soit nos amis, nos membres de famille, nos voisins, nos collègues et autres qui continuent de recourir à des balams, à des sorciers pour nous détruire. Parce qu'ils ont un problème avec la puissance, la bénédiction, la prospérité, le déploiement de nos tentes, les promotions, les constructions, les ascensions de nos enfants et autres. Bien-aimés, soyons conscients ou conscientes qu'on ne peut pas plaire et on ne plaira jamais à tout le monde. Mais certaines personnes chercheront toujours à détruire et cela pour un rien. Mais la bonne nouvelle est que quand tu marches avec Dieu, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Jérémie 1, verset 19. Avant de poursuivre, j'aimerais relever un autre petit point important. Même si nous savons que les sorciers n'ont pas toujours besoin de raisons valables pour nous détruire, pour nous attaquer, tel que le dit le psaume 109, verset 3, qui dit qu'ils me font la guerre sans cause, j'aimerais néanmoins exhorter tout croyant à veiller sur ses propres voies, cherchant autant que possible à ne pas s'attirer au travers du péché et des mauvais comportements, des ennuis avec autrui. Bien-aimé, on ne plaisante ni avec le diable ni avec les sorciers. Un enfant de Dieu a le devoir de respecter, de bien traiter et d'être intègre avec autrui. Romains 12, verset 18 dit que s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. En d'autres termes, ce n'est pas parce que tu te sais enfant de Dieu que tu vas te prendre le droit d'aller défier, d'aller te mettre dans de mauvais draps en disant que Dieu va te protéger. Tu as le devoir de bien te conduire envers tout le monde. Parenthèse refermée. Le roi de Moab, Balak, se sachant militairement plus faible qu'Israël, recourut à un devin nommé Balaam pour le vaincre moyennant la malédiction. Bien-aimé, attention aux malédictions. Ça fait partie comme ça des armes dangereuses utilisées par les sorciers pour faire du mal à autrui. Et ce prophète Balaam, comme nous l'avons lu, il jouissait d'une réputation qui est celle de prononcer des malédictions qui effectivement se réalisaient. Comme le roi lui a dit que je sais que celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit. Pour notre gouverne, Balaam, le prénom signifie celui qui détruit le temple, qui l'avale. Balaam était un prophète païen et un fils de Béor qui exerçait la divination, la voyance à Pétor en Mésopotamie. Il semblait avoir eu une certaine connaissance du vrai Dieu et de la volonté de Dieu pour son peuple. Mais aguiché par les nombreux biens et honneurs proposés par Balak, Dieu, dans son omniscience, connaissait le cœur de ce Balaam et les motivations qui l'animaient. Et il lui a permis comme ça d'aller à la rencontre du roi de Moab, mais à condition, une fois arrivé là-bas, de ne dire que ce qui lui aurait inspiré. Une fois de plus, je vous recommande de lire tout le chapitre en entier ainsi que ceux qui le suivent et vous verrez qu'à plusieurs reprises, Dieu parle à ce devin, lui interdisant formellement de maudire Israël. Bien-aimé, je souligne qu'il y a des personnes comme ce roi de Moab prêtes à tout, quitte à dépenser des fortunes chez des féticheurs, des marabouts pour détruire la vie des autres. Mais gloire soit rendue à Dieu qui ne sommeille ni dort et qui dit que ni l'enchantement ni la divination ne peut rien contre nous, contre Jacob, Nombre chapitre 23, verset 23. L'Éternel protège son peuple et l'arrache du danger. Et la chose la plus terrible dans toute cette histoire est que si nous lisons Deutéronome chapitre 2, verset 9, il est dit, « L'Éternel me dit, n'attaque pas Moab et ne t'engage pas dans un combat avec lui, car je ne te donnerai rien à posséder dans son pays. C'est aux enfants de Lot que j'ai donné Ar en propriété. » Nous comprenons au travers de ce verset, en d'autres termes, que le roi de Moab, Balak, qui est un descendant de Lot, décida de s'attaquer au peuple d'Israël gratuitement, car en réalité, Moab et ses terres n'étaient guère une cible pour Israël, qui avait déjà reçu une interdiction formelle de la part de Dieu d'y toucher, parce que cela appartenait aux descendants de Lot, parce que les Moabites, ce sont les descendants de Lot, de l'inceste de Lot avec une de ses filles. Donc, c'est sans raison valable et surtout rempli d'ignorance que Balak, le roi de Moab, prit pour cible un peuple qui, en réalité, ne le menaçait en rien. Et c'est le cas de plusieurs personnes autour de nous
animés de mauvaises intentions, des sorciers qui continuellement mettent sur pied des attaques diaboliques pour évincer les autres. Mais je reviens encore redire que le Dieu que nous servons, le Yahweh l'Éternel, celui-là même qui a dit dans Jérémie 29, verset 11, que je connais les projets que j'ai formés sur toi, des projets de paix et non de malheur afin de te donner un avenir et de l'espérance, c'est le Dieu Tout-Puissant qui est au-dessus de toute chose et de toute personne. C'est lui le bouclier infaillible qu'aucune flèche satanique ne peut transpercer. Le Dieu devant lequel rien n'est caché. C'est lui qui nous révèle toutes choses secrètes. Or, Éphésiens 5, verset 13 nous dit que tout ce qui est révélé est condamné. Et jamais les projets, les plans humains ne peuvent prévaloir sur ceux que Dieu a établis pour la vie de son enfant. Simplement, il nous demande de veiller sur nos marches, de marcher dans l'obéissance. Si nous demeurons en communion avec Dieu, il nous protégera toujours de toute forme de malédiction et attaque démoniaque. Bien aimé, une attaque spirituelle de sorcellerie se préparait contre Israël à son insu. Mais Dieu, dans sa bonté et sa fidélité, changea la malédiction en bénédiction. Tout comme étant en Christ, Dieu nous donne non seulement la capacité d'annuler, de renverser tout plan de l'ennemi dans nos vies au nom de Jésus-Christ, mais il nous donne également la capacité de déclarer des paroles de bénédiction. Quand on marche avec l'Éternel, Dieu ordonne à la bénédiction de nous accompagner, de nous poursuivre. Le véritable enfant de Dieu ne court pas après les bénédictions, mais c'est la bénédiction qui le localise. Il est déjà béni en Christ de toutes sortes de bénédictions. Aujourd'hui, pour qui le croit fermement, l'enchantement, la sorcellerie, les malédictions familiales et autres ne peuvent rien contre sa vie. Car la parole de Dieu dit que personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. C'est Dieu qui confond et qui confondra toujours tous les sorciers et marabouts engagés contre nos vies au nom de Jésus-Christ. Simplement, Dieu nous demande de marcher en communion avec lui dans la vérité. Que Dieu vous bénisse. Amen.